Hello, hello, hello. Comment allez-vous? Ça va? Aujourd'hui, ça va. Il fait beau. Il faisait beau. Là, la pluie a un petit peu fait son apparition. Des petites fifines. Il n'a pas plu vraiment fort. Il y a un nuage qui a couvert. Au début, c'était bleu et maintenant c'est gris. Et je pense que plus tard, quand je vois autour, là, c'est quand même bleu. Je pense que c'est un nuage qui est au-dessus de Capesterre, comme ça. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne du beau temps. Ça va, vous allez bien? Que se passe-t-il pour vous? De là où vous êtes, j'espère que vous allez bien. Mais moi, ça va. Avec la grâce de Dieu, je suis heureux. Aujourd'hui, c'est le jour béni, le jour sanctifié. Et bon, par rapport à la conjoncture sociale et économique, on n'a pas pu avoir de culte ce matin par rapport à la parole du Premier ministre que les lieux rassemblement de plus de 100 personnes seraient proscrits et donc il ne fallait pas qu'il y ait de cérémonie, même si les églises sont ouvertes, mais pas de cérémonie. Donc voilà, j'ai passé ce temps-là à la maison et aussi comme c'est le jour où il y a le vote, donc on est allé voter, à accomplir son devoir civique. Que le meilleur gagne, que celui que Dieu a choisi gagne. On se pliera de toutes les manières à celui qui est là pour fonctionner de toutes les manières. C'est comme ça. Que la gloire et la grâce de Dieu soient avec vous et vous bénisse là où vous êtes. Soyez bénis. Le Seigneur est bon, le Seigneur est tout-puissant. Il est avec nous, il prend soin de nous. Et même si les choses ne vont pas dans notre sens, mais nous savons que le Seigneur est tout-puissant. Soyez bénis, salut. Alors fortifiez-vous, encouragez-vous par ces quelques paroles que j'aurais voulu être encourageantes pour que nous puissions tenir ferme, tenir bon malgré les difficultés, la maladie, tout ce qui arrive, parce que là c'est le coronavirus qui a un peu décidé de faire ce qu'il voulait, mais au nom de Jésus, nous brisons les liens du coronavirus, tous les liens, tous les démons qui sont derrière le coronavirus. Nous lions cette maladie au nom de Jésus contre toutes les autres maladies. C'est une maladie parmi tant d'autres. Et le Seigneur est puissant, il est vivant pour nous accorder selon la faveur qu'il a méritée, qu'il nous a donnée. Et nous attendons à sa prière, nous attendons à l'accomplissement de nos prières, parce que nous savons qu'il est vivant et que seul, seul, mais que seule sa volonté soit faite sur la terre, comme c'est sa seule volonté qui se passe au ciel. Alors que sa volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Alors ce sont nous les agents qui sommes chargés de vérifier, propager la vérité, propager et veiller à ce que le règne de Dieu se fasse sur la terre par nos comportements. Et le plus grand de tous les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, lui seul, et tu le adoreras lui seul, et le deuxième qui lui est semblable. Aimez-vous les uns les autres. Donc, la loi réside dans ce que nous devons nous aimer les uns les autres. Et s'il y a de l'amour les uns pour les autres, ben, tout marchera. Il y aura la compréhension de l'autre, l'estime de l'autre, il y aura tout.
tous c'est compris dans le fait d'aimer le Seigneur et aimer ton prochain. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie. Aimez-vous. Aimez-vous, aimez-vous. Aimez vos ennemis, bénissez vos ennemis, ceux qui vous maudissent. Matthieu 5. Heureux ceux qui sont recherchent Dieu. Le Seigneur est bon, il est vivant. Amen. Soyez bénis. Force, yes, I, courage pour tous les jours, pour toute la vie. Yes. Ok. Children of God, yeah, hey. Children of God, bless all them people, all the time. Aye, 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 aye.